Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Côté Château, émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine avec Alexandre Berne. Je vous propose un spécial Bergerac alors que, comme vous le voyez, les vendanges en rouge se poursuivent avec les machines à vendanger ici à Monestier, mais aussi les licoreux en ce mois d'octobre. Une année particulière marquée par la sécheresse et des vendanges précoces avec parfois 3 semaines d'avance. Regardez ce reportage réalisé par Bertrand Lasseguette et Pascal Tinon. Les bennes de raisins se succèdent à un rythme relativement tranquille en ce début de vendange à la cave coopérative de Montbazillac. Avant de partir au pressoir, un échantillon passe dans cette machine, le réfractomètre, pour mesurer le degré de sucre. L'été très ensoleillé aurait été plutôt favorable au vin liquoreux, d'où des vendanges plus précoces que d'habitude jusqu'à 3 semaines d'avance. Par rapport à l'année dernière, par exemple, on va dire à stade équivalent, il y a quand même une plus grosse concentration cette année. Puisque là, la première benne qu'on a amenée ce matin faisait à peu près 16,5 en termes de sucre. Et par contre, c'est au niveau du tonnage, là, on se rend compte que dès les premières bennes, il manque quand même du poids. Et ce poids qui manque, en fait, c'est dû à la sécheresse exceptionnelle de cette année, qui fait que les graines ont moins de jus. Conséquence, une perte possible de 20% des volumes. 3 cépages se retrouvent dans le Montbazillac, le Sauvignon, la Muscadelle et surtout le Sémillon, utilisé ici à 80%. Ce sont ces raisins que Sylvie ramasse par passages successifs. On enlève les feuilles pour pouvoir voir les raisins, déjà voir ce qu'on va ramasser. Donc ici, vous avez une grappe qui est botrytisée à souhait. Voilà, celle-là, on la prend. On va prendre celle-là aussi parce que ça fera un peu de jus. Vous voyez, il y a de la pourriture et à la fois du jus, c'est ce que l'on recherche. Le botrytis, le fameux champignon qui donne sa typicité au Montbazillac, a été moins présent cette année par manque d'humidité. Mais la surmaturation des raisins a quand même été possible d'une autre manière. On peut avoir un autre phénomène en fait, qui nous permet d'obtenir des vins liquoreux qui s'appelle le passerillage, et en fait qui est là lié à une action du vent et du soleil, ce qui est aussi le cas cette année, et ce qui crée une forme de dessèchement. Donc ce n'est pas l'action d'un champignon, mais c'est plus des conditions climatiques qui fait que le raisin se concentre en sucre. Les vendanges du Montbazillac pourraient s'étaler jusqu'à 6 semaines. Pendant ce temps, les vignerons espèrent que les températures plus fraîches de la nuit et de la Dordogne vont favoriser des brumes et enfin l'humidité. On se retrouve ici à Monestier en pleine vendange avec Flavie et Pascal Cuissé, grands vignerons ici dans le Bergeracois. Alors comment elles se passent ces vendanges ? Longues. On a commencé les blancs 22 août. Et là, on est le 11 octobre et on finit nos merlots. Et il reste encore tous les Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Est-ce que la qualité est là, avec le stress hydrique, avec la sécheresse, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, c'était une très longue année avec un épisode de gel au mois d'avril, un épisode de grêle sur une partie de la propriété au mois de juin et une sécheresse qui était imprévue, qui a été plutôt longue. Sur les blancs, donc on a démarré de bonne heure avec des très très jolies qualités. Sur les rouges, on a pris le pari, c'est la 4e année où on attend la pluie. Et le pari a payé parce que les qualités ont remonté, les tanins sont bien extraits, les couleurs aussi. Donc ça va être un très joli millésime. Petit en quantité, mais grand en qualité. Alors Pascal, on va pas se le cacher, tout de même avec ces températures, ça monte en sucre et en degré d'alcool. C'est ça, mais après on atteint un plateau aux environs de 15 et 16, et ça change pas. Mais si on regarde en 10 jours, puisqu'on a eu une semaine où on a eu 30 mm, on a gagné 17% de volume sur les baies, quoi. Donc c'est phénoménal. Toujours des vins qui sont agréables, faciles à boire. On va aller déguster là tout de suite. Oui, mais l'intérêt de cette année, c'est qu'on va faire des tanins très, très riches, fondus et pas du tout agressifs. Et c'est l'intérêt d'attendre parce qu'il y a une masse tannique qui est très importante. Par contre, c'est que du fruit, quoi. En blanc, on a fait beaucoup de techniques, à savoir que les sauvignons blancs, comme on avait les grosses chaleurs, on est parti du principe, on ne les épointe pas. C'est-à-dire que les rangs, il a fallu épointer avant de vendanger, il restait quoi ? Un passage d'homme. Ça permet d'avoir des raisins qui sont à l'ombre, et par principe, des raisins à l'ombre ne sont pas brûlés par le soleil, et on conserve un potentiel aromatique très intéressant. Et sur les sauvignons, ça fait 3 millésimes où on fait ça. À partir du mois de juillet, on s'adapte aux millésimes. Il pleut, on épointe, il pleut pas, on garde les feuilles et ça se couvre et ça se couvre. Et c'est pas du tout gênant puisque... Tu sais que moi je vais te tailler les oreilles en pointe parce que je supporte pas, t'es toujours plus grand que moi. Ça ne changera pas. Non mais sincèrement, un millésime comme cette année, il faut vraiment travailler au vignoble. C'est au vignoble que tu fais ta qualité. Les vendanges, ça devient accessoire. Hein. Parce que si tu as fait des super raisins, c'est trop facile à vinifier. Si t'as pas des raisins au top, ça devient très compliqué. Donc mieux vaut jouer au cuisinier qu'au docteur. C'est beaucoup plus simple.
Papa, c'est un puits de chance. C'est ça. Non, après, il a le recul sur les millésimes. Après, en fait, c'est ça. Chaque millésime, il faut s'adapter, se réinventer, changer vraiment les techniques et s'adapter aux raisins qu'on recevait. Flavie, c'est vrai que cette année a été particulièrement chaleureuse, mais on a connu aussi trois millésimes aussi où il y avait pas mal de soleil. C'est ça, donc comme je l'expliquais, c'est notre quatrième millésime où on attend la pluie pour démarrer les vendanges de rouge. Donc cette cuvée s'appelle la Vigne Alliance, c'est une cuvée hommage à mon grand-père, du coup qui est décédé à la même période de la plantation de cette vigne. Donc cette vigne, on lui a rendu un hommage en l'appelant la Vigne Alliance. Donc un Malbec plutôt sous la concentration, un peu comme tous les rouges qu'on fait. Des jolis tanins et vraiment des jolies couleurs. Et question hommage aussi, il y a eu celui qui a été rendu à la reine d'Angleterre et son fils qui est en photo ici chez vous, tout naturellement. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on travaillait avec des agences en Angleterre et chaque fois nous sollicitaient pour participer au dîner de charité de la reine. Et donc à chaque fois, on donnait des vins de Saussignac pour finir les dîners de charité royaux. Et ça, c'est apprécié donc par le nouveau roi Charles III. Je suppose, on attend qu'il nous envoie une demande, mais avec, on l'a toujours fait, c'est pas un problème, et c'est très traditionnel en Angleterre, le côté association caritative, donc bon, on le fait sans se poser de questions. Et l'autre grand rendez-vous, ça va être le wine stock. Qu'est-ce que ça va être, Pascal, ce wine stock, Woodstock, façon vin? Ouais, il y a 50 ans, il y a un truc aux États-Unis qui s'appelait le Woodstock, qui a eu du succès, mais bon, ici on a plus de wine que de wood, et l'idée est simple, c'est de communiquer différemment autour du vin. Donc on va se retrouver une vingtaine de vignerons de toute la France où on va mettre en avant le vin, la bonne bouffe et la musique. Donc c'est un concept très festif et de dire que le vin c'est festif. Et donc il y a des gens de toutes les régions viticoles et on monte aussi des masterclass pour éduquer un peu les gens. Et puis on peut le dire, hein, vous faites partie d'une banda qui s'appelle In Vino Veritas, donc vous n'êtes pas nouveau dans la musique. Non, ça fait bientôt 20 ans qu'elle tourne ce banda. Dans tout le grand sud de la France, aussi en Espagne, en Irlande, on a joué un peu partout. Et voilà, ça fait partie de notre ADN. Et parmi les petites appellations du Bergeracois, il y a Rosette, une appellation de 43 hectares qui a failli disparaître. Regardez ce reportage de Bertrand Lasséguette et d'Anne-Laure Mérignac. C'est une appellation confidentielle. 43 hectares au nord-ouest de Bergerac et seulement 16 producteurs. Un vin blanc légèrement sucré à ne pas confondre avec le Montbazillac. C'est toujours un peu compliqué parce que si je dis que c'est un moelleux, les gens vont trouver qu'ils vont s'attendre à plus de sucre, donc ils vont être un peu déçus. Et si je dis que c'est plus vers le sec, ils vont trouver qu'il y a du sucre, donc ils vont être déçus aussi. Donc je dis que c'est un demi-moelleux. Quatre cépages peuvent entrer dans l'élaboration d'un rosette. Le muscadelle, le sauvignon blanc, le sauvignon gris et le sémillon qui est ramassé actuellement sur ce domaine. On cherche vraiment, comme on veut rester sur du fruit frais et sur de la fleur, on va le ramasser à peu près au même stade que des secs. Certains font de la surmaturité sur du rosette, mais l'essentiel des producteurs travaille quand même sur du raisin frais. Il n'y a pas ensuite d'ajout de sucre pour obtenir le goût particulier du rosette. D'ailleurs ici, on travaille suivant les principes de la biodynamie avec le moins d'intrants possible. Chaque été, le rosette a sa fête à Bergerac, la Rosette Night, qui connaît un joli succès localement. Pourtant, il y a 20 ans, ce vin était prêt de disparaître. Il n'y avait plus qu'un producteur. Une nouvelle génération de vignerons a réussi à le relancer et même à le rendre tendance. Cette typologie de vin, aujourd'hui, intéresse le consommateur. Comme on le disait, c'est un vin qui est onctueux, facile à boire, avec une sucrosité qui est vraiment très très limite. Donc c'est une bonne alternative au liquoreux. Le rosette peut se boire en apéritif avec des viandes blanches, des fruits de mer, comme avec du foie gras, et toujours bien sûr avec la plus grande modération. On se retrouve à Montbazillac, au château Aubernas, en compagnie de Romain Claveil. Bonjour Romain, alors ces vendanges de liquoreux, comment ça se passe ? Bonjour, bienvenue. Écoutez, les vendanges de liquoreux ici arrivent à leur fin. On est sur le dernier passage sur les tris successives. Donc on est sur une parcelle de muscadelle. Pour résumer, millésime très très joli en qualité, avec forcément un été très ensoleillé. Le raisin s'est concentré, on a eu un petit peu de mal à voir apparaître le botrytis, donc on a plutôt commencé des vendanges sur des raisins dorés et passerillés. Et enfin, la pluie et le brouillard. C'est ça, c'est,
c'est ce qu'il faut pour que le Botrytis cinerea se forme. Il faut véritablement beaucoup d'humidité et de la chaleur. Il nous faut l'humidité comme ce matin, c'est l'exemple parfait. On a de l'humidité sur le sol, des températures encore clémentes, donc le brouillard est bien présent tous les matins. Ce qui est important sur donc, nos vendanges de Montbazillac, c'est qu'on a une surmaturité du raisin, et c'est à partir de cette surmaturité où on peut atteindre les degrés requis pour faire du Montbazillac. Il faut bien sûr obtenir notre Botrytis cinerea qui se développe grâce à l'humidité et au soleil. Et on goûte en même temps. Alors là, il y en a un peu plus. Alors Romain, on voit sur les grappes les différents stades du Botrytis. Tout à fait, donc là on est vraiment sur la surmaturité du raisin, on voit le travail du soleil donc avec le passerillage, et ensuite on passe sur ce qu'on appelle le pourri plein et le début du développement du Botrytis. Donc on voit très bien là les poils du champignon, et donc là on est sur vraiment une belle vendange. C'est cette diversité qui nous permet de faire donc le liquoreux. C'est toujours le débat hein, d'avoir des vins trop chargé, trop de sucrosité, des sucres résiduels. On est à combien chez vous par exemple? Alors les premières cuvées ici démarrent autour des 60 grammes de sucre résiduel avec des assemblages pour pouvoir justement développer l'aromatique au maximum, et des cuvées plus traditionnelles avec des élevages en barrique, et là on est autour des 100 à 120 grammes de sucre résiduel, mais toujours en gardant à l'esprit cette fraîcheur aromatique, essayer de travailler au mieux des vins sucrés, élégants, mais avec une belle finesse et de la fraîcheur, c'est vraiment le maître mot. Voilà, c'est tout un travail de précision, ciselé. Et puis à côté de ça, à Montbazillac, on trouve aussi au château Poulevert une initiative du vin en canette, du vin rosé en canette. Regardez ce reportage réalisé par Margot Dubiel et Pascal Tinon. De la vigne à la canette. L'idée peut paraître saugrenue, mais Benoît Borderie a décidé de sauter le pas. Au tout début, ça surprend forcément. Au final, l'idée est loin d'être bête et même plutôt intelligente. C'est qu'il faut aller tester, faut aller voir si ça s'y prête vraiment. À première vue, du bergeracois en canette, ça ne sonne pas très glamour. Mais le vigneron aime les défis. On a des arômes très poire, fruits à chair blanche. Et lorsqu'on lui demande si le contenant ne va pas dénaturer le goût du vin, il a un argument imparable. Si on est complètement honnête avec notre travail, on ne peut pas utiliser des cuves en inox pour stocker nos vins, justement pour les qualités sanitaires d'une cuve et pour sa neutralité au niveau gustatif, et se dire que la canette n'est pas un contenant qui se prête à la commercialisation du vin. Et même si le français reste très attaché à sa bouteille, l'essor de la vente à emporter a changé la donne. Légère, pratique et incassable, la canette s'invite aujourd'hui dans les repas pris sur le pouce. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un moment de dégustation à offrir ou à saisir pour proposer du vin dans un contenant plus petit pour des consommations, on va dire, raisonnables de un ou deux verres au moment du déjeuner ou du dîner. Je suis persuadé que la canette s'installera. Commercialisée depuis mars dernier, la canette du Château Poulevert pourrait bien être la première d'une longue lignée et permettre d'emporter un peu du bergeracois partout avec soi. On se retrouve au château Monestier-Latour, l'un des emblèmes du bergeracois dont les origines remontent au XIIIe siècle. C'est un ancien monastère. Avec nous, le maître de chais, chef de culture, Mathieu Aymard. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue au château Monestier-Latour. Alors c'est un château véritablement empreint de nature, de biodynamie. Tout est conduit ici en biodynamie. D'ailleurs, on va aller voir la tisanerie de suite. Absolument, je vais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement, les plantes que l'on utilise. Allez, on va voir la tisanerie. Je vous suis. Mathieu, on découvre cette fameuse tisanerie et toutes ces plantes qui servent à soigner donc la vigne. Absolument. On a notre jardin biodynamique. Donc on utilise toutes les plantes du jardin qu'on met à sécher. Et ensuite, en fonction de notre besoin, de la météo, on va utiliser l'ortie, la prêle, la consoude, qui vient complémentariser nos traitements cuivre et soufre. Et ce qu'il faut savoir des plantes, elles permettent de diminuer énormément
la quantité de cuivre, c'est pas négligeable. Ça, ça a été une volonté du nouveau propriétaire, Karl Friedrich Schoeffeleux, suisse-allemand, qui est à la tête de la maison Chopard. Absolument, ils ont acheté en 2012 et c'était la priorité de transformer le domaine en biodynamie, de convertir les vins en bio. C'est le cas depuis 2018 pour les vins et depuis 2014 en termes de biodynamie sur le vignoble. Et ça se ressent aussi dans les vins qu'on va pouvoir déguster. Absolument, on le ressent beaucoup, notamment sur le millésime 2019. Là, on voit vraiment que la biodynamie commence à faire son travail. Qu'est-ce qu'on déguste, Mathieu ? Donc là, on déguste le grand vin, appellation Côte de Bergerac 2018. Donc, premier millésime certifié bio. Donc, on est sur un cépage Cabernet Franc, majoritaire, avec un petit peu de Merlot et une toute petite pointe de Malbec. Donc, ce vin est passé en barrique pendant 15-16 mois. Sur ces vins, on va retrouver cette touche de biodynamie ? Absolument, absolument. On va retrouver le fruit vraiment est expressif. On est sur ce fruit noir, c'est concentré, ce côté tanin velours. On est vraiment des tanins soyeux, délicats. C'est vraiment ce que l'on recherche. Du fruit, de la tension et finalement, aucun ajout. Absolument. L'idée, c'est le moins d'intrants pour avoir des vins les plus naturels. Un travail de précision comme une montre. Exactement, absolument. On peut rejoindre tout à fait le côté horlogerie où il faut être vraiment rigoureux. Et en parlant de montre, ce qui est intéressant sur notre gamme, la gamme de nos Bergerac s'appelle Cadran. On rappelle donc notamment au cadran solaire et également mais au cadran des montres. Le château de Montbazillac, c'est véritablement le fleuron de cette appellation à Montbazillac et dans Bergeracois. On trouve Guillaume Barou. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Pierre. Alors, vous avez refait véritablement toute une scénographie ici qui s'appelle comment ? Donc oui, là, on a baptisé la nouvelle scénographie « Monde d'arrêt d'arôme ». Donc la volonté, c'était justement de pouvoir évoquer tous les arts de la vigne, les arts du travail de la vigne, l'art de la dégustation, mais aussi également l'art contemporain et puis tout l'art du patrimoine. Avec une nouvelle entrée, une nouvelle scénographie qu'on va découvrir. Exactement. Alors Guillaume, ici on a non seulement un nouvel accueil, mais aussi tous ces vignerons, tous ces viticulteurs qui vous accueillent. Et oui, donc c'est tous les vignerons de la cave coopérative donc, qui sont représentés avec leurs portraits et chacun donc avec leurs spécificités, des hommes, des femmes, des couples. Et on connaît Guillaume là. Voilà, donc moi j'y suis avec mon grand frère parce que là on est à deux associés. Alors là c'est un univers qu'on ne connaissait absolument pas, totalement interactif. Oui, alors c'est un musée qui est dédié vraiment au Montbazillac, à sa singularité, hein, donc avec des espaces sur la pourriture noble, les paysages, la vinification, les métiers, et donc ce sont les vignerons qui témoignent dans tous les visuels et qui expliquent leur métier. On transporte le raisin jusqu'au pressoir, là on est à des températures de 12 degrés, et on l'envoie en fermentation. Là, on comprend bien ce phénomène de botrytisation, ce champignon, cette pourriture noble qui se forme. Ben, c'est notre signature et on ne pouvait pas faire un musée sur Montbazillac sans mettre en évidence quand même ce don du ciel, ce cadeau de la nature. Et donc voilà, ici, on a notamment un timelapse qui permet de voir au fil du temps la graine évoluer, puis elle va ensuite se pourrir et avoir cet aspect un petit peu plus ratatiné, mais ce qui nous permet d'obtenir le vin liquoreux. Et on voit bien justement ces petits grains de raisin où s'installe le botrytis cinerea. Voilà, donc une photo, je crois, toutes les heures, et puis au fil du temps, ça évolue, et on voit vraiment la concentration qui fait son effet, hein, les baies qui deviennent plus petites, et le sucre qui se concentre, le sucre et les arômes, et donc grâce au botrytis, on a 100 fois plus de précurseurs d'arômes dans les vins liquoreux que dans tous les autres vins. Ok,
là, on a une très jolie vidéo qui dure à peu près 6 minutes et qui en fait montre les paysages magnifiques de Montbazillac au fil des saisons. Quand la nature est bien verte, quand on est au printemps, donc là, elle est vraiment encore. La vigne est toute petite. Hein, on voit qu'on part vraiment d'un cep nu et puis qu'ensuite, ça va faire vraiment du beau feuillage et des belles grappes. On est dedans, c'est immersif. Voilà, c'est le but, c'est que les gens qui rentrent ici soient vraiment accueillis par ce MAPS en fait et qu'ils vraiment y voient quelque chose de saisissant. Je trouve que c'est très bien. On apprend des choses. Les panneaux sont efficaces, il n'y en a pas trop. Les photos sont très belles. Et puis on se sent au 21e siècle. Quoi. Très réaliste. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision globale de l'ensemble du domaine et puis du métier de vigneron. Mais je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait dans le détail. Le botrytis, vous connaissiez cette magie de Montbazillac ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout de la région, c'est la première fois qu'on vient là. On découvre d'ailleurs à l'occasion qu'il faut deux fois plus de raisins pour faire du Montbazillac que du blanc normal. Enfin, non, c'est vraiment intéressant. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter le vin derrière. Guillaume, pour le coup, Montbazillac, c'est véritablement magique, envié de Bergerac. Oui, ben, un vrai château, un beau château qui trône ici sur la vallée, et voilà, qui prend racine sur ces terres et tout autour, donc un vignoble magique aussi qui nous sert à produire le château Montbazillac. Guillaume, on retrouve Pauline qui va nous expliquer un petit peu toute cette scénographie du château. Qu'est-ce qu'on retrouve ici à l'intérieur ? Alors à l'intérieur du château, on a souhaité développer différents univers, un univers historique avec deux expositions. La première portant sur le protestantisme puisque c'est un enjeu fort du territoire et du château. Une deuxième exposition sur la famille de Bacalan. La famille de Bacalan a donc réellement vécu au château de Montbazillac à la période de la Révolution française. Donc au fil des 5 salles qui composent cette exposition, on va suivre cette famille, partir à la rencontre de ses membres et chacun va un petit peu développer sa vision des événements révolutionnaires. Cette robe est fort belle. Je suis si lasse de ma voiture. Qu'allez-vous trouver pour me faire belle, ma mère ? Autre univers développé donc au château, l'univers artistique avec des expositions temporaires d'art contemporain et puis également la rénovation des caves du château avec un parcours enfant sous forme de jeux, d'énigmes, quelque chose de très ludique sur le travail de la vigne. Alors Guillaume, qu'est-ce que c'est ? On se trouve à Las Vegas là ? C'est Las Vegas pour les enfants. Donc ici, c'est un espace qui leur est dédié puisque c'est vrai que les enfants aussi ont besoin d'avoir des choses qui peuvent leur convenir dans ce grand espace qui est plutôt dédié aux vins et aux adultes. Donc là, il y a plein de petits jeux sur le métier de la vigne. Peut-être que ça fera des futurs passionnés, des futurs vignerons. Et en fait, chaque plot est une énigme où en faisant des jeux de manipulation, on peut trouver une réponse qui va en fait déclencher des petits jeux de lumière et voilà, apporter une petite satisfaction d'avoir trouvé la réponse à l'énigme. Hello, bonjour, d'où venez-vous ? On arrive du château, on vient de déguster après la visite, c'est une grande expérience fantastique. La vue sur le vignoble est magnifique, on a passé près de 3 heures ici à savourer l'ensemble. La France, j'adore votre savoir-vivre et la manière avec laquelle vous appréciez le vin. À Montbazillac, c'est que la visite se termine par des dégustations, que ce soit là-bas ou encore à la boutique. Oui, exactement. Donc, suivant la visite que l'on veut faire, si on vient plus pour la partie patrimoine et musée, donc on a une dégustation classique à 10 euros qui permet ensuite d'avoir un petit verre à la fin pour découvrir le produit. C'est plutôt destiné aux personnes qui ne sont pas forcément venues pour le vin. Et pour les amateurs, par contre, on offre une dégustation 3 vins pour un prix de 15 euros où, en fait, là, on va découvrir avec une personne qualifiée des différences entre plusieurs produits, 3 vins, pour s'immerger vraiment dans ce qu'est le Montbazillac. Et au final, vous avez réussi à toucher une population assez vaste cet été. Vous avez eu combien de visiteurs ? Alors, on a eu plus de 38 000 visiteurs sur les 3 mois, donc juillet, août, septembre. Voilà, ça augure finalement d'une réussite, peut-être comme la Cité du Vin. On leur souhaite en tout cas une bonne santé. Ainsi se termine ce numéro spécial de Côté Château à Bergerac et à Montbazillac. Carpe diem, portez-vous bien. Prochain numéro de Côté Château dans un mois.